et mon célèbre solidarité. C'est vraiment Matignon qui est solidaire avec vous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Passerelle. Il y a beaucoup qui posent la question, passerelle c'est quoi? Passerelle pour nous c'est un pont. Un pont que tout le monde voudrait même sentir à l'aise. La femme dans les tresses sentit capable de traverser ça pour là, pour se arriver à un meilleur avenir. Et aujourd'hui, l'inauguration que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est une madame qui voudrait même traverser le pont de difficultés qui n'arrive pas qui était aujourd'hui. C'est un autre pour dire, c'est quoi Passerelle? Passerelle, c'est une organisation qui est en place pour nous capables vraiment venir en aide à ma madame. Et nous passons par domestic violence, non. Nous aussi occupons madame et les enfants qui reposent à la rue. Parce que dans Maurice, bien souvent nous disons ça SDF, c'est hommes. Non, mais là SDF, femmes. Nous avons sa qualité du monde là et Passerelle nous vient sur la porte pour pouvoir accueillir ces gens-là. Nous avons une madame avec nous. Nous sommes fiers pour dire qu'elle est professionnelle, mais seulement une petite bêtise de côté. Mais Passerelle, elle traverse ce pont, elle dit, lui est capable. Et aujourd'hui, il va nous poser sur quelques mots parce qu'il veut même être pas qui capable. Merci à Madame Elena et Madame Lani et Passerelle, tous les staff. Et vraiment, maintenant, c'est un moment très difficile. Tout un moment, moi, tu finis. On va te donner qui me l'a pour faire. C'est grâce à Madame Elena et Madame Lani qui me l'a. Et mon but, c'est une coiffeuse et moi, une coiffeuse professionnelle. Vu qu'il y a déjà un salon, et moi, beaucoup pour mon papa travailler avec eux. Mais des autres, un grand merci. S'il va tenir dans eux, là, oui, on va connaître comment tu peux faire. Merci, bonne journaliste, pour pouvoir être à l'événement-là. Donc, moi, c'est le comte de Lure, moi, avocat, et on a une équipe légale qui est ensemble avec moi. Donc, ce qu'il nous fait, nous, le travail, c'est pour moi, il est là qu'un individu qui vient solliciter, le directement à la police, il vient, il prend contact, il dit, il est là, mais pour un individu, sur ce soir, il est là, moi, avec mon équipe légale, mon camarade qui est présent à moi, je suis la politique, mon propre pharmacie qui devient imprimé. Nous prenons contact avec tout le monde là, nous un coup sur l'aspect légal pour moi, nous faisons faire pour nous. Le problème qui fait, nous faisons faire ça parce que, pour être honnête, nous connaissons bien là. Premier coup, un du monde à l'instation, il dit qu'il y a un problème. Avant que ça, du monde là, il y a l'attention de la police, il y a une grosse heure. Avant qu'il y ait une jolie madame. Si il y a une jolie madame, une big heure. Deuxième, je te réfère pour l'égaler. Là-bas, si il y a un problème grave, l'égaler prend trop beaucoup de temps. L'égaler, ce bon process prend trop beaucoup de temps. Et le bon avocat, même, parfois, tant mieux, tant mal, je aider. Mais ils ne sont pas aussi rémunérés et vous pensez que c'est pour ça qu'il y a un problème, une lenteur chenille extraordinaire. Donc, nous, l'équipe légale, nous, tout de suite, nous aidons ça du monde. Et un témoignage qu'on a apporté, vous pensez jusqu'à l'air, il y a une maman qui peut retirer son enfant, il finit gagner l'autre de la Cour suprême. Pour elle prendre ses enfants-là, elle juge la Cour suprême de l'île l'autre. Mais c'est maintenant parce que au niveau de l'autorité, son enfant là, en courant papa là, on téléphone papa là, plusieurs reprises, papa là, il commence jouer. Il n'y a pas de problème ça. Il a la police à plusieurs reprises, et que la police, il va dire non, une autre équipe. Et vous commencez jusqu'à l'air pour faire 3 semaines, papa là, en cours pour votre sous-enfant. Donc, moi je trouvais. Et là, la volonté, il n'y a pas la volonté au niveau de l'autorité, oui, pour faire quelque chose, mais follow-up est là. Follow-up est un background total extraordinaire. Quand on trouve un premier ministre, descend,
dans un endroit à ramasser ça. Beaucoup de monde qui a l'impression de qu'il peut faire. Au fait, il connaît qu'il peut faire. Il peut obliger faire lui parce qu'il y a des gens qui peuvent faire lui, pas peut faire lui. Donc, beaucoup de monde pose une question, mais qui fait peut faire ça? On peut obliger faire lui parce qu'il y a des gens qui peuvent faire lui, pas peut faire lui. Donc, commencer, nous peut donner un coup de main, on peut écrire beaucoup de lettres, on peut faire l'autorité, comprendre qui est le problème. L'autre jour, on prend madame, on amène lui dans la caserne centrale, on montre lui bureau commissaire, on dit lui al bureau commissaire, al tiers commissaire, qui on a dans telle station, et dans sa station, on va faire un tel de problème. Tout de suite, commissaire, ce bureau, il parle des choses en main, il a cette telle de problème. Pas pour tout qui peut opérer. Pas question qui pas peut opérer à cause du gouvernement par les opérés. Bon, tu n'as pas pu opérer, tu n'as pas opéré parce qu'il y a des gens qui prend place dans l'autorité, ils prend travail dans l'autorité, ils prend fonction dans l'autorité, et ils n'ont pas pu fonctionner. Et moi, ce qui me dit, pourtant, c'est que des gens qui n'ont pas pu fonctionner dans l'autorité, qui n'ont fonctionner, rendre un service, qui peut y aller, aller migrer de haut, parce qu'ils n'ont pas pu fonctionner. Il y a un problème grave. Et ça, il y a un problème pour les gens qui nous collègues. Parce qu'il n'est pas possible. Qui est la maman et les enfants dormis dans Carocan. Si ne serait-ce pas une seule la nuit, nous ne sommes pas capables de tolérer en 2017, Maurice a développé une country pour accompagner PED, gouvernement PED, beaucoup de secteurs de niveau politique, même PED, mais pas capable d'être une maman et ses enfants dormis dans Carocan. Il est intolérable. Et ça, d'ailleurs, avec Happiness, qui vous welcome, hier, vous trouvez une déclaration qui est ministère de la famille vient la nouvelle ministre. Et puis dire comme ça qu'il peut régler le fonctionnement sur un département. Et moi, bien content qu'il peut régler le fonctionnement sur un département parce qu'il a accepté de ne pas fonctionner du tout. Et prier, quand vous la payer la fin du mois, et prier 13e mois, mais pour être sans malheureux qu'il y a un problème là, c'est zéro. Ça travaille là, vous avez fait l'amour. Beaucoup de secteurs privés contribuent au niveau de l'État pour être tout en démini. D'ailleurs, pour madame là, bien content, tout le temps on trouve un événement, madame, déjà pour les jours. Ça veut nous causer, mais vous connaissez tout faire. Vous connaissez comment aider. Vous connaissez comment vous accompagner. Mais si tout ça va nous accompagner là, amène autres choses, si vous avez décidé, là, n'y pas décidé. Mais là, il vient un petit peu, vous connaissez qui dit pourquoi, on va commencer à écrire. Parce que quand vous avez une maman qui est venue chez moi, tout le monde est venu chez moi, il a tellement bonne vie, tellement bonne vie. Je vous dis, nous, elle est assez sérieux. Une équipe, je suis là, mon camarade Pédilo, ça. Et dans mon jeune maman là, ils ont comme ça, vous voyez, je suis dormi 5 la nuit d'un carocan pour 3 enfants. Mais là, il y a un problème. Il n'y a pas un problème au niveau national, il y a un problème au niveau international. Et hier, camarade, ils ont comme ça, nous disons une société qui est jugée par la, la façon dont traite tout le monde. Et si tu connais moi le traitement de l'échec, mais pas avoir le même traitement à l'être humain. Bien c'est passé. Mix masala, English, French and Creole together. From the minute Passerelle opened its doors and I heard what they were doing, I didn't stop to ask why, how or what. We've been there to try and just to help the women. And now that you're empowering them to become entrepreneurs as well, I'm telling you in January there will be a capacity building course for entrepreneurs at the National Women Entrepreneur Council in Phoenix. I'm offering you 10 places for the women of Paso Del. We will fund the sponsorship. I will do everything else, but just give me the 10 women. And the course is in Creole, okay? I have trainers who are doing it in Creole, but we do have communications in English to empower them. Because sometimes when you have to go and fill in a form or whatever, it's in English. So we do empower the women to be able to write a business plan, do their finances, set up a business, but they've got the opportunity here. Let's just give them the tools to go and do what they have to do and become models and leaders of tomorrow. Doesn't mean because I've had a bad situation, life stops there. Because with the help of Passerelle, Melanie is doing a fantastic job, Eleanor, and everybody here, and it's
I was so touched to hear a man standing up and saying, we're here to support our women. Because at the end of the day, it doesn't matter where we come from, I'm Mauritian by choice. Because I choose to live here. And when I hear anybody suffering, it breaks my heart just as much as everybody else's. So I wanted to say good luck, all the very best for the salon and for everything else you're doing for the women of Mauritius, by the people of Mauritius. Thank you. Avec pas beaucoup de monde, nous pas envie de faire grand fla-fla, mais nous disons envie de faire quelque chose et montrer ce qui nous capable de faire quelque chose pour madame. C'est pas nous qui le faisons, c'est pas madame qui le fait. Donc nous disons et pour réaliser notre rêve. Donc c'est pas du tout nous qui le faisons ça. En tout cas, nous bien contents aujourd'hui qu'ils étaient très bonnes présents à nos invitations. Merci surtout à la presse parce que c'est un journaliste qui est capable de passer un message. Merci qu'ils ont montré qui c'est qui nous peut faire rien pour autant. Ce qu'il devait faire pour moi, madame Zordi, est important. Donc, passerelle, quand il commençait en novembre 2015, ce mission, tu viens en aide à madame qui est victime de violence. Et nous, tu commençais avec ma victime de violence domestique, et puis nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de madame qui est SDF, qui dorme dans la rue, mais la madame qui, pendant 10 ans, finit de dormir dans la place avec un groupe baba, mais la madame qui reste avec ce dans l'hôpital, au bon hôpital, etc. Et là, quand ma dit je téléphone nous, et elle nous explique qu'il y a une place, nous allons dire qu'il y a non, nous qui disent violence domestique. Mais il y a un petit en gros dans la place, nous ne pouvons plus faire. Donc c'est là que nous commençons à accueillir ma femme SDF, et que Zodi nous gagne 8 demandes par jour. Donc 8 demandes par jour, malheureusement, plus de la moitié, sans faire nous, les quais faire mal, parce qu'ils ne sont pas capables d'accueillir les autres. Nous aussi, nous arrivons en manque de place. Aujourd'hui, passerelle, il y a 4 la case. Donc, nous sommes très fiers pour dire nous commençons à Saint-Pierre, nous faisons Roche-Brune, ici à Beaubassin, et là tout récemment à Highlands. Donc, pour moi, c'est un honneur, comment dire, venir pour l'inauguration de sa salon, le salon solidaire de passerelle. C'est ça le nom. Et c'est Vanessa qui nous rencontrait, qui motive nous. Parce que, comme la madame dit, c'est une avant-rêve. Et que je ne suis pas capable. Les deux, comme ça, et pas les deux opportunités réalisées de rêve. Vanny, c'est elle, c'est ça, madame, là. Quand elle est venue avec tout ce même problème, après 20 jours que tu as fini dans beaucoup d'or, etc., Vanny décide de vous débrouiller de solité. Vanny, aujourd'hui, il n'a pas même gagné contact du tout avec ses enfants. Il va venir trouver eux, il va venir tamser eux. Nous connaissons les cas fait mal, mais seulement ce qui va venir me dire, c'est qu'il peut travailler, il peut de solidier pour qu'il est capable de régler la gorge de ses enfants. Et c'est ça qui motive nous. C'est ça la joie qui nous a porté dans l'amphibie qui motive nous pour faire un peu plus. Donc ce salon-là, il est ouvert à porte ses outils et que nous pouvons innover. Donc nous décidons que le salon pouvait tous les jours jusqu'à 20h. Donc qui fait 20h parce qu'il nous connaît aujourd'hui qu'avec la vie, qui est là, qui est un monsieur, qui est une madame, nous faisons travail jusqu'à 14. Nous sortons pour lui, nous retournons aux îles, mais puis il y a un salon, tout salon désenfermé. Donc c'est pour cette raison-là que ce salon-là pouvait jusqu'à 20h pour accueillir madame et enfants principalement. Mais ce salon-là est aussi pour accueillir madame qui n'est pas capable de payer mes yeux dans un salon. Ça veut dire, ensemble avec les autres ONG, nous faisons prévoir pour accueillir les autres femmes qui ont détresse. Si vous êtes dans un entretien d'embauche, vous êtes pour faire une interview pour travail, si vous êtes dans l'anniversaire, la fête des mères, ou simplement si vous êtes envie de faire un re-hooking, donc nous pouvons faire de notre mieux pour nous capables d'offrir ce service-là ici. Dans un deuxième temps, nous pouvons aussi offrir un vêtement pour le travail. Ça veut dire, quand vous pouvez ici, vous pouvez faire un relooking, vous pouvez faire un CV, etc. Vous pouvez aussi gagner la possibilité d'avoir un vêtement qui peut être disponible pour qu'ils soient capables de mettre les chances de ce côté pour vous gagner un travail. Parce que c'est ça qui peut permettre de débuter. Donc aujourd'hui, la ministre n'est pas capable d'être présente, mais quand même, nous gagnons beaucoup de soutien avec le ministère et avec tous les officiers du ministère. Donc vous connaissez souvent le DIOF et un fonctionnaire qui va travailler, qui est ici là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, comment nous dire. Beaucoup d'immunes ont fait nous beaucoup de soutien au niveau du ministère. Et nous disons un grand merci pour ça. Merci à tout le monde ONG aussi qui aide nous
Merci à tout le monde, Madame Loka, etc. Je suis contente de vous trouver, même Madame, même avec ce gros ventre, il tenait à être présent aujourd'hui. À tous nos bonnes volontaires, sans qui nous sommes capables de faire tout ça, là, que ce soit toi, Gina, José et Clézeux. Et puis, merci à ma famille, parce qu'ils, quand même, la plupart du temps, dans la case, et qu'ils comprennent ça, qu'ils ont aussi soutenir moi. C'est très important pour moi. Nous dire qu'il va nous aimer, c'est important qu'il va nous aimer, soutenir la femme. Ben, merci à mon mari qui soutenir la cause des femmes en détresse. Merci à tous.